La Commission européenne est prête à répondre à une demande de sauvetage de la part de l'Espagne. C'est le message apporté ce lundi au Premier ministre espagnol Mariano Rajoy par le commissaire européen aux affaires économiques. Cela dit, Olli Rehn a nié que Madrid ait à ce jour formulé une telle demande. Le gouvernement espagnol s'est engagé dans une série de mesures visant à redresser l'économie. Cela passe par des réformes radicales contestées par une partie de la population. Ce lundi, les employés des transports en commun étaient en grève à Madrid afin de dénoncer la baisse de leur rémunération. La semaine dernière, plusieurs rassemblements étaient organisés dans la capitale afin de dénoncer les coupes budgétaires prévues par le gouvernement. Mais dans le même temps, les marchés financiers semblent s'impatienter, estimant que Madrid n'aura d'autre choix que de solliciter un plan de sauvetage. À quelle échéance ? Telle est aujourd'hui la question. Certaines sources parlent du 8 octobre, date de la prochaine réunion de l'Eurogroupe. D'autres évoquent le 18 octobre, date du prochain sommet européen. Reste que l'agence de notation Moody's menace d'abaisser la note de l'Espagne, ce qui pourrait accélérer la demande de sauvetage.